Et les Brésiliens sont maîtres dans l'art de ce type d'action. Ouais. Et c'est ce qui est parfois humiliant pour beaucoup d'équipes, des joueurs. Ouais. Et ça gêne beaucoup. Et notre joueur, pas très satisfait. On va se faire. Il est hué par le public. Ah, oui, puisqu'il y a l'écran géant dans le stade. Si avec nous, on n'aurait pas su qu'il était hué. Attention, le centre de Didier Ovolo. Obama qui prolonge. Ah, moi, je crois que ce qui est intéressant, c'est que on sent que l'équipe est désormais équilibrée. Il y a un peu plus de maturité dans le jeu. Surtout en cette fin de match. Oui. Depuis l'entrée de Zita Manangwe et de Mbamba. Oui, ce sont les cadres de l'équipe. Oui. Sur cette action. J'aurais bien aimé les voir en début de match. Ouais, je suis presque sûr que les buts qu'on a pris, on ne les aurait pas pris. Parce qu'avec leur expérience, le milieu de terrain ne se serait pas laissé submerger comme il l'a fait en début de match, au point d'encaisser les deux buts. Moi, je ne peux pas parier comme vous, mais je dirais qu'on verrait un jeu peut-être plus discipliné par rapport à l'expérience auquel nous faisions allusion. Je suis d'accord avec vous. Parce que c'est des joueurs assez matures et qui ont besoin de ce genre de match pour se mettre en évidence. Et c'est pas souvent facile de rentrer quand vous êtes mené 2-0. Hein. C'est pas souvent facile. Daniel Cousin un peu isolé. La faute de Manangaï, frappant jaune, ouais. Systématique. Manangaï, c'est Bruno Manangaï qui prend le carton, ouais. Il concède le carton. Attention, carton de Manangaï. On sent qu'il joue un peu le rôle des grands aussi. Il a fait une faute très intelligente parce qu'il sait que les Brésiliens étaient en train de construire au milieu de terrain. Pour casser l'élan, il fait une faute intelligente. C'est vrai, ça le coup d'un carton jaune, mais ça casse l'action offensive des Brésiliens. On appelle ça l'expérience. Voilà. Colemanga qui devrait en principe bien protéger ce ballon avec beaucoup de métier. Ndema qui a replié. Je crois que c'est un bon stade. Il reste 20 secondes. Un bon stade, mais sauf la pelouse, on a eu l'impression que ce marché a été offert à un jardinier. Hein. Apparemment. N'ayons pas peur de mots, messieurs. Ah oui, ouais, Pablo, je suis entièrement d'accord avec vous. Ouais, c'est dommage. Ça a un peu gâché. Sinon, le stade est beau, les couleurs. Attention, entrée. Et c'est terminé. Au stade de l'amitié, l'arbitre sud-africain Victor.